Il n'est pas de porte sans serrure. Il n'est pas de serrure sans clé. Il n'y a pas de clé sans mystère. J'ai entendu parler d'une clé. La clé. Énigmatique. Certains veulent la protéger, d'autres l'exterminer. Elle est la plus convoitée de ce monde. Pour la trouver, elle demande persévérance et abnégation. Il me fallait trouver le point d'entrée, le point d'entrée de la clé. Mes recherches, mes pas, ma patience et probablement ma destinée ont convergé vers ce lieu atypique, le lieu où tout commence, l'entrée de la clé. Salut, vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à un ouvrage incroyable, ça s'appelle La Clé, c'est un livre, un livre énigme, mais c'est pas un livre d'énigmes, un magnifique ouvrage qui est accompagné d'une petite lampe UV qui va permettre aussi de voir des détails cachés à l'intérieur du livre. C'est un monde, un univers entier très fourni, il y a des complots politiques, des complots guerriers, il y a des mystères à l'intérieur. Vous pouvez prendre ce livre et le lire en entier et passer complètement à côté du côté énigme du livre, c'est pas un problème, c'est un vrai livre d'histoire. Mais nous, on va s'intéresser aux énigmes aujourd'hui. Le concept est très simple, il y a une énigme à résoudre sur chacune des doubles pages. Ça fait 75 énigmes, c'est pas un niveau facile, c'est pour adultes ou pour adolescents, mais il faut minimum 40 heures de jeu a priori pour résoudre le livre en entier. Le livre est composé de 5 chapitres qui ont une narration différente. Au début de chaque chapitre, il y a un nuage de mots, c'est tous les mots qu'on doit trouver à l'intérieur des énigmes. Et à la fin de chaque chapitre, quand on a tous les mots, il faut relier ça pour avoir un symbole. Lorsqu'on a résolu les 5 chapitres et donc trouvé les 5 symboles, ils forment à eux 5 un mot. Ce mot, c'est la clé qu'on doit tester sur le site internet de la clé online. Je ne vais pas vous spoil tout le livre, on va se concentrer dans le premier chapitre, on va découvrir des énigmes. Grande particularité de ce bouquin, c'est qu'il n'y a aucune indication. C'est vraiment un livre à lire et il faut comprendre soi-même quelle est l'énigme, comment la résoudre à chaque double page. C'est toujours un nombre ou un symbole, ou un mot. Il y a un Discord qui existe, il est accessible depuis le site officiel, et les deux auteurs, Fanelia et Taharn, sont régulièrement dessus. Alors quand on l'ouvre, on tombe sur un alphabet orné, donc une correspondance symbole-lettre ou symbole-syllabe, ou chiffre de 0 à 9. La lampe UV, on l'a, une connexion internet, j'en ai une pas loin. Alors on va attaquer directement la première page. C'est à l'aube des temps que Barion vit le jour. Son regard rougeoyant se posant tout autour, des échos du néant bruissant sans arrêt, il sut qu'il existait autant qu'il s'éteindrait. Quand il s'envolait pour ne laisser que son ombre, des particules glissaient de ses ailes sombres, alors que sur sa crête on devinait les âges, le temps et les siècles épousaient les nuages. Bon, je trouve que le texte là est relativement clair. J'ai l'impression qu'on me dit des particules glissaient de ses ailes sombres, donc on va regarder partout tout autour des ailes. Alors que sur sa crête, on devinait les âges, donc on va peut-être regarder comme ça la crête si on voit quelque chose. Ben là, très clairement, il y a marqué une. Donc là, on a une ici. J'ai pris de quoi noter, les amis, bien sûr. Ils disent, de sa crête, on devinait les âges. Il y a deux grandes et quatre petites. Très clairement, là, dans le jaune, il y a marqué corne. Corne, là, il y a 100, très clairement, dans le fond. Je pense qu'à l'image, ça rend encore plus net pour vous que pour moi, là. Là, il y a an. Ici, là, une corne sans ans. Toute cette zone, on n'a rien trouvé de spécifique. On va passer à la lumière UV. Dans les nuages, il n'y a rien. Dans le texte, il n'y a rien. Sur Byron, il n'y a rien. Le soleil, peut-être. Alors, est-ce que j'ai tout trouvé? C'est ça la difficulté, c'est est-ce que j'ai tout trouvé, quoi. Donc, on a trouvé 4 données. Et de ces données, moi, je dois en extraire un symbole, ou un nombre, ou un mot, que je dois être capable de retrouver ensuite ici. Une corne, ah par exemple une corne, c'est peut-être une corne vaut 100 ans. Alors que sur sa crête on devinait les âges, donc sa crête c'est ça, donc on pourrait dire c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600. C'est peut-être une corne vaut 100 ans. Ah ça tient debout hein, quand même mon histoire. Correspond, point d'interrogation, je pense que vous serez d'accord avec moi dans les commentaires. Et dans ces cas-là ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cornes égale 600, et dans le nuage, 59, bon on a 600 ici en gros en plus, donc ça ferait 600 en premier quoi. Allez, on va garder le 600 pour l'instant et puis on va continuer d'évoluer dedans, rien n'empêche de revenir après.
comprendre l'énigme qu'il y a. Bon, très clairement, on est très attiré par tous ces petits bouts. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15. 15 symboles. Qu'est-ce que j'ai en plus de ça? Dans ces symboles, il y a des sortes de lettres. Hein. Là, j'ai un T. Là, il y a une sorte de J. Ça, je sais pas trop ce que c'est, si c'est un N ou un M. Bon, je vais faire comme il est représenté. 13, 14, 15. OK. Qu'est-ce que je fais de tout ça, moi? Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment comprendre l'histoire. Si l'histoire en elle-même n'est pas comprise, je pense qu'on ne peut pas comprendre tous les indices. Noble père, ça peut être interprété dans deux sens, une paire d'objets. De son cri venait sa parole capitale, capitale, les lettres capitales. Donc, il y a le mot père, il y a le mot capital. Père et capital. Mais qu'est-ce que j'ai en père et en capital? En capital, j'ai quoi? J'ai le T, le J, S, le L et le O. Donc, j'ai un mot de 8 lettres, là. Ça, c'est juste si je me réfère à sa parole capitale. Est-ce qu'on peut faire un mot avec ça? Et du coup, les minuscules qui me restent. Alors ça, je ne sais toujours pas si c'est un M ou un N. O. On a dit qu'ici, on était en Astoli. Je peux le faire Astoli avec ça? Attends, mon J, c'est pas un J majuscule. C'est un J minuscule. Donc ça veut dire que là, je peux faire avec ça... Il y a un anagramme, je peux faire Astoli, donc l'univers où on se trouve. Et est-ce qu'on peut faire un mot ici avec le reste? Est-ce que c'est une paire de mots qui veulent dire quelque chose? Un mot avec un J et un O, je regarde juste dans le nuage si j'en ai un. En fait, c'est intéressant de regarder le nuage parce que comme ça, ce sont les trucs que je dois trouver. Alors évidemment, c'est bourré de leurres de partout, mais ça peut m'inspirer quand même pour plus tard de connaître un peu ça. Bon, je vois rien de spécial. Moi, par contre, il y a Astoli qui est là. Comme ils disent que de son cri venait sa parole capitale, je garde que les capitales, je fais un anagramme, ça me fait Astoli. Noble père de tous les atomes créés, je me suis dit c'était peut-être une paire de choses. Pas tellement l'impression quand même. Je vais garder Astoli pour l'instant, donc on garde 600 et on garde Astoli. On va passer à la double page suivante. Vous avez vu le travail, les illustrations, elles sont dingues, elles sont incroyables. Tel un galet touchant la surface de l'eau, aux notes colorées ondulant sur les flots, la nature éclata en une symphonie sur le rythme effréné d'une noble élégie. Qu'est-ce qu'une élégie? Eh bien Jean-Michel, on va le découvrir tout de suite. En tout cas, là, toute la thématique est musicale. Sur un poème lyrique exprimant une plainte douloureuse ou des sentiments mélancoliques. Là, on a une clé de... C'est une clé de fa, ça, hein? Je vois une clé de fa, ce qui correspond quand même à l'univers très musical. Est-ce qu'il y a d'autres clés ailleurs? Là, je vois comme un R ici. En fait, il est intéressant parce que ça me rappelle un peu des chasses au trésor, même si là, ça n'a rien à voir avec une chasse au trésor. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences, t'évolues, tu t'imprègnes de l'univers, tu cherches pas à tout comprendre. Ça n'a pas l'air si linéaire que je suis en train de le faire, en fait. Hein. Ça peut être feuilletable, t'avances, tu notes des trucs. Mais comme pour les chasses au trésor, il vaut mieux avoir un carnet et noter tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense. Clé de fa, je l'ai vu dans le nuage, lui, tout à l'heure. J'avais vu clé de sol ici et j'avais vu clé de fa. Sur cette page-là, clé de fa ici. Après, encore une fois, ça peut être un leurre. Ils savent qu'ils ont mis une clé de fa. Donc ils peuvent mettre clé de fa et clé de sol pour faire genre « Eh ouais, c'était la clé qu'il fallait trouver !» Alors que pas du tout. C'est cette fin qui m'embête là. « Mais personne ne sut donc ce qu'il pense à d'eux, pas même une confession à nos aïeux. » Cette phrase, j'ai l'impression qu'elle fait ref à un truc, genre la lettre à Alice, quoi. J'ai envie de regarder si... Ben non, c'est forcément un mot. On va continuer d'avancer, on va rester un petit peu sur la clé de fa pour l'instant. Comme si c'était ça la réponse. Déjà la prière rassembla les dévots à l'aube de ce bouleversement nouveau. Le déjà la prière est écrit en gras. Là, bon, là, on a clairement tous ces symboles-là qu'on est en train de voir ici, qui me rappellent un petit peu ce qu'on voyait là-bas, d'ailleurs. Je vais voir si je vois une correspondance. C'est très dur à comprendre, ces symboles. Waouh, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure quand j'ai ouvert que ça pouvait être si difficile. On peut déjà commencer par noter tout ça. Je fais un petit coup quand même de lettre UV. Au cas où. Je n'oublie pas que j'avais mon petit mot avec les minuscules là, où il y avait un J et un O. Si je vois un mot dans l'histoire qui ressemble, j'en prendrai ref. On a trois couleurs principales. On a le rose pâle, on a, on va dire, le vermillon et on a le vert. Alors on va dire rouge, rose pâle, rouge et vert. Là, j'ai dit que ça c'était un T majuscule. Donc, j'ai quoi? J'ai Evi, j'ai Itnu et j'ai Dragon. Sachant que le dragon, c'est sur le truc des vermillons et qu'ils disent l'incandescence de son regard vermillon ne fut plus qu'une lointaine évocation.
dragon, il doit être dans le nuage, quoi qu'il arrive. Donc ça va pas m'apporter grand chose, mais on va au moins vérifier qu'il est bien dans le nuage, dragon. Je crois pas qu'il y soit, le dragon. On a tous dit assez dommage. Déjà, la prière rassembla les dévots. Ça, c'est écrit en gras. Ça m'était sorti de la tête. Déjà, la prière. Est-ce qu'on a un jeu de mots? Est-ce qu'on a un anagramme là-dedans? C'est possible, hein? Je vais peut-être faire l'impasse là pour l'instant. Je sais que je l'ai pas, que j'ai rien du tout. Je pense qu'ici, il doit y avoir un anagramme. Je vais mettre anagramme, point d'interrogation. Et je reviendrai dessus, je pense, un peu plus tard. On va continuer, voir si quelque chose me débloque. Ça sent pas la bonne zone pour mettre des choses, là? Oui. Ça se sentait bien. Alors, on va déjà regarder ailleurs. Celui-là, un dessin si peu chargé, c'est bizarre. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, en gros, il y a des sortes... Je sais pas du tout comment ça ressort à la caméra. Il y a des sortes de points tout seul. Il y a des points avec des flèches. Genre, lui, il va là, lui, il va là, lui... Est-ce que c'est juste un jeu de choses à relier? Je vais tenter d'assembler les trucs par rapport aux directions que je vois, parce que les friction balls, on peut les effacer. Donc là, il y a lui qui va ici. Là, il y a lui qui va là. Lui qui va là. Ça, ça pourrait faire un N. Ça, ça pourrait faire un E. Attends, j'ai pas mis les flèches pour lui. Ah, est-ce qu'avec les flèches, il faut pas continuer que lui fait ça? Il faut le continuer là. Ça, c'est une flèche en haut, il faut continuer en haut. Et là, il faudrait aller là, et là, comme ça. Néant, N-E-A-N-T, néant. Néant, je suis presque certain de l'avoir vu dans le nuage des mots. Néant. Donc là, c'est sûr, c'est néant. Venez, analysons cette double page, Loïc. J'aime beaucoup votre pull. Bonjour. Pas dans le mood. On est plutôt dans un mood particule, là, tu vois. Bonjour. Ouais, c'est trop dark. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette page? Une énigme s'y cache. Moi, il y a un truc qui me saute aux yeux, en vrai. Le triangle? Non. Les bougies? Ça. Ah, ça, là-haut, ouais, c'est ce que j'avais dit au début. Mais tu l'as pas entendu. En vrai, ça te rappelle quoi, ça? Du morse. Ah, ça me fait penser à un truc d'ordi. Tu sais, le réduire le truc, passer en plein écran. Faudrait quoi, que t'ailles sur une page internet? Peut-être nous pouvons explorer à l'aide de la lumière violette, là. Il y a un truc là. Là, il y a un truc là. Je le dessine. Comme ça. Attends, ouais. Rien à foutre, toi. Rien. Putain, le mec, il en a rien à foutre. Non, je veux pas de l'abîmer, c'est du friction ball. Là, oh là là, il y a un plus là. Il y a un pelus. Là, il y a un pelus. Parce que ça, c'est quand même un sacré symbole, quand même. C'est un putain de symbole. Ah, saut. So. Oh putain, saut. So. La ville. Là, il y a un symbole. C'est quoi? C'est un pourcentage dans un triangle. C'est-à-dire un peu le pourcentage des Illuminati. Ah là, il y a un X et il y a un petit... Regarde. Bah oui, je le vois. On peut fermer la page, du coup. Alors, ça nous amène où? Bah... là. Non. C'est sûrement autre chose. On va faire un petit balayage. Je parle pas de la coiffure. P1819, on a trouvé. Slash saut. On a trouvé ce symbole. On a trouvé un plus, un moins. C'est pas Firefox? Bah, ça peut ressembler à... En vrai, la queue du renard, du coup. Et on a eu aussi ce truc-là avec un petit chemin. Alors, j'ai beaucoup de mal à l'interpréter. Je vais aller sur le site de la clé online et je vais rajouter slash saut déjà pour voir. Alors, la clé online. Ah, bah, je suis tombé là-dessus. C'est juste des rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Site, ok. Notre but étant toujours de trouver un mot ou un nombre ou un symbole d'une manière certaine. Par contre, tu peux trouver des choses qui après te redébloquent. Faut pas hésiter à avancer dans le truc, donc on va avancer. Tiens, tu m'éclaires? Non, plutôt là. C'est un petit soleil. C'est comme une explosion un peu. Pas à fond pour mettre dedans. Tiens, bah éclaire-moi parce que alors là, j'ai une galère sur les symboles là. Ça, c'est un I, ça. Je crois. Franchement, si c'est ça, je suis chaud. Oui. Oh là là. Oh là là. On fait de la transcription, mon petit pote. La page 20-21, on a trouvé deux séries de signes. Alors, on va essayer de se les faire dans l'ordre. Excuse-moi, en fait, l'énigme, c'est... Il n'y a pas d'énigme. Ah, mais c'est parce que je croyais que c'était une énigme par page. Oui, mais je veux dire, tu n'as pas de... Il n'y a pas d'énigme. Tu n'as pas de directive d'énigme. Mais ça va t'amener à quoi, tout ça?
Tu es en train de remettre en cause l'existence même de Philip Denning. À chaque fois que tu trouves un mot, un symbole ou un truc, tu l'entoures ici et ensuite tu les reliras ensemble dans l'ordre où tu les as trouvés. Ça fera un dessin là comme ça. Ça fera un symbole. Imagine, ça fait Sophie la girafe. C'est possible. Ce serait assez stylé. Comme il y a 5 chapitres, tu auras 5 symboles. Mm-hmm. Tu gagnes un bitcoin. Tu gagnes rien. Tu gagnes beaucoup. Est-ce qu'il y a au moins une vidéo de quelqu'un qui te fait bravo, tu as réussi ? Apparemment, il y a une superbe animation après, toute une cinématique à débloquer. Bravo, vous avez gagné. Est-ce que ça ressemble un peu à Templier, non? Si tu le lis. Je me dis, ça c'est sûr, c'est Hadron qui parle, parce que lui, on nous l'a présenté ici. Ok, c'est lui Hadron. Ouais. Ah, beau gosse, pourquoi il a plein d'œufs comme ça autour de lui? Non, c'est des petites perles venues de pays. Des petites perles, ouais. Waouh. C'est dans quoi les perles? C'est dans les moules? Non. Les huîtres. Là, on est en train de vivre un truc qui est largement conseillé par le jeu, qui est de faire ça à plusieurs. Ah ouais, bah t'aurais dû me dire dès le début. Déjà, tu me parles mieux. Ça. Les gens viennent dire, effectivement, Loïc est agressif. Ça, je lis le commentaire. Effectivement, Loïc est agressif. Ah ouais. Ça, c'est la ville de Grécy. Et du coup, Fabien, je te rejoins sur Instagram pour un peu plus de bienveillance. Merci beaucoup. Mais si, ils t'ont déjà rejoint sur Instagram, c'est-à-dire qu'ils se désabonnent et ils se réabonnent? Non, ça veut dire qu'en même temps, ils s'abonnent à cette chaîne YouTube. Une petite heure et demie? On va peut-être s'arrêter là, non? Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, non? On va peut-être s'arrêter là. On va peut-être s'arrêter là. Après, on peut faire les 50-60 heures de jeu si tu veux. On fait ça en live et en Twitch. Bien sûr. je l'annoncerai sur mon Instagram. Bon, vous avez vu, on a vite fait de passer quelques heures dessus. On n'est pas très loin pourtant, on est encore dans la découverte de l'histoire. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il vaut mieux commencer par lire l'histoire entièrement, se plonger dans cet univers qui a l'air très dense, très riche, pour ensuite faire les énigmes en connaissant un petit peu mieux ça. Et donc, un peu comme une chasse au trésor, même si ça n'en a pas une, j'insiste dessus, l'idée c'est quand même d'avancer, de toucher un petit peu à tout, je pense, au départ, pour comprendre déjà un petit peu les mécaniques du jeu et surtout de pas se bloquer à essayer de tout faire en linéaire, de se dire il faut absolument que je finisse telle page avant d'aller à la prochaine et d'avoir son carnet de notes, c'est important ça, le carnet de notes. Bref, je trouve ce projet là vraiment incroyable dans sa densité, dans l'histoire, dans la créativité, dans les énigmes. Merci encore à Fanelia et à Tarn de m'avoir offert cet exemplaire. Je vous mets tous les liens dans la description. C'était un petit peu différent d'un casse-tête aujourd'hui, mais on s'est cassé la tête, n'est-ce pas Loïc? Alors moi je suis pas resté longtemps, mais ça m'a vite cassé c'est la vrai. Tête. Je pense que je vais rentrer chez moi d'ailleurs. J'y vais, allez. Ça marche pas, si. Tu peux pas faire un arrêt de travail si, pour casse-tête? Pour cassage de tête. Non. Si. Je vais vérifier, ça doit être à la page 32. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Ça soutient, ça fait plaisir. À mon compte Instagram, j'en ai parlé, je crois. J'en ai parlé dans la vidéo, je crois. Ouais. Je crois. Une fois, j'ai dû en parler. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je suis en spectacle actuellement à Paris, au Palais des Glaces, tous les mardis, mercredis soir, avec mon nouveau spectacle de mentalisme et d'humour. Passez, on se voit à la fin, toujours avec plaisir. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion de venir à Paris, je suis en tournée jusqu'à juin 2023, toujours avec ce spectacle-là. Vous avez toutes les dates qui s'affichent, n'hésitez pas. Prenez soin de vous. À très bientôt. C'est à toi, Loïc. Ciao.